Le club Handicap et Société est parti d'une analyse assez simple. Une campagne présidentielle totalement inédite. Nous sommes allés d'imprévu en imprévu. Nous avons décidé d'interpeller les candidats à l'élection présidentielle parce que des millions de Français, handicapés et âgés, attendent aujourd'hui des réponses concrètes. Et nous avons décidé au club Handicap et Société de mettre l'accent sur le handicap, l'autonomie, la dépendance, alors que ces thèmes ne sont absolument pas mis en avant, mis en exergue par les candidats. Je crois que ce que nous avons cherché à apporter, c'est, je pourrais dire, une aide à la lucidité. Comment devenir lucide sur les propositions des uns et des autres? Nous souhaitions donner un maximum d'informations sur déjà les dispositifs existants. On manque aussi de précision, par exemple, sur la faisabilité ou sur le coût économique que telle ou telle mesure vont représenter. Au moment où partout on nous parle de transparence, moi, je rêve de lisibilité. Les réponses qui ont été apportées, les propositions qui ont été faites par les différents candidats sont un peu pauvres, on peut dire, et elles ne sont pas forcément donc mises en lien donc avec l'ensemble, je dirais, de l'écosystème. Nous avons la volonté qu'enfin puissent émerger de vraies réponses aux questions liées au handicap, à l'autonomie et à l'indépendance. Et qu'on sorte des sentiers battus. On le voit bien à travers les décryptages qui ont été faits, les réponses des candidats, les propositions des candidats sont extrêmement convenues. Il est temps de faire preuve d'imagination, d'anticiper l'avenir avec des réponses qui s'adaptent davantage à la réalité du monde d'aujourd'hui et surtout à celui de demain. La vocation de ce livret présidentiel, c'est évidemment d'éclairer le public sur les programmes des candidats, sur les problématiques du handicap, de l'autonomie et de la dépendance. Avec une envie, évidemment, c'est qu'enfin ces thèmes rentrent dans le débat public et puissent être développés et développés sérieusement avec de vraies propositions qui fassent enfin preuve d'imagination. Ces sujets restent quand même les grands oubliés de la campagne. Où est le soutien à domicile? Où est le développement de tous ces services qui permettent de manière extrêmement fine et ajustée à une personne qui vieillit de continuer à vivre chez elle parce que c'est sa volonté? Jamais on ne dit que la dépense engagée pour faire une société inclusive, que cette dépense est un investissement formidablement créateur d'emplois, d'emplois non délocalisables et plutôt qualifiés, autrement dit, une chance pour la société française tout entière. Décrypter les programmes et puis surtout les mettre en perspective. Met la lumière sur ce qui est proposé aujourd'hui, sur ce qui ne l'est pas, sur ce qui devrait l'être. L'inclusion ne se fera pas toute seule, elle ne se fera que si une volonté politique décide d'engager des moyens techniques et financiers qui constituent un investissement. C'est une vraie démarche militante, c'est un message qui est de dire on ne lâchera rien, on continuera de regarder ce que vous avez proposé, vous les candidats, ce qui sera mis en œuvre demain. Quel que soit celui ou celle qui sortira des urnes, vainqueur et président ou présidente de la République, évidemment, nous aurons à être attentifs, vigilants sur tous ces points.